à une soirée méga branchée dans une ancienne boîte de Péri. Camille c'est jolie, trois mois qu'elle était plus sortie qu'au cybercafé Média Plus quand elle avait eu un virus. Ça, Camille est pas prête, elle est sûre que c'est un poète et qu'il lui fera oublier tous ceux qui l'ont fait pleurer. Et Camille s'est moustie, tout à l'heure à la pharmacie, elle a bredouillé mal à l'aise, une boîte de maxi gonflée. Elle se fourlait chez les babines, car cette nuit, si tout va bien, ils vont se faire un royal câlin. Mais Camille s'impatiente, il devait l'appeler vers 7h30 ou envoyer un SMS pour encore lui rappeler l'adresse. Camille n'en peut plus, elle se souvient du nom de la rue, un petit coup d'œil sur le plan. Mais bon Dieu, ce qu'Internet est lent, lent. Camille se rapproche, son horoscope dans les poches, lui a prévu une grosse surprise. Deuxième à droite après l'église, bon, l'église. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camille se couponne sur le parking, il n'y a que des codes. Elle veut qu'il la remarque tout de suite, elle trouve plus jolie que sur le site. Camille est entrée, 15 euros quand même, enfoirée. Elle scrute les visages dans le noir et finit par l'apercevoir. Et là, elle s'effondre, elle doute encore, à cause des ombres, elle veut être sûre, elle fend la foule, et tout son petit monde s'écroule. Comme ça, j'ai déjà fait 38 secondes. Hein. Johnny sort avec une danse, elle voit des matchs que c'est possible, que son amant se bouge de cible. Camille camisole, et elle se rue sur la grande folle. La barbe aux lèvres, elle va le tuer, il lui dit mais qu'est-ce qu'elle espérait. Et là, elle déraille, sa surprise en ultra de taille, elle sort son guitare de son sac, et crève la gueule à ses morbacs. C'est l'avocat qui lui a dit ça pouvait influencer le jury si elle mettait un peu de vernis. Camille adultère, elle a rien dit, elle est honteuse, faut jamais tomber amoureuse. Je suis fort, 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 je suis fort